Hey coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo entre guillemets tuto. Je vais vous montrer comment on commence une écharpe avec un tricotin rond. Alors c'est pas le tricotin qu'il faudra prendre, je vais tout vous expliquer. Le matériel qu'il va vous falloir, parce que moi je n'ai pas tout sous la main, puisque j'ai commencé actuellement une écharpe et je voulais vous montrer au plus vite pour vous préparer aux saisons froides qui arrivent, aux températures fraîches qui nous arrivent, comment faire, puisque l'écharpe va prendre un moment à faire, voilà. Donc, pour faire cette écharpe, il vous faudra un tricotin de 36 picots. Voilà, moi j'ai pris le modèle du dessous pour vous montrer, je vais juste faire une petite longueur qui n'aura rien à voir avec une écharpe, avec un reste de laine dont je me fiche un peu, puisque je pourrais rien faire avec ça. Et donc je vais vous montrer comment on commence l'écharpe et comment, une fois que vous aurez la longueur que vous souhaitez, comment on la ferme en fait, comment on la termine. Voilà, donc pour faire cette écharpe, vous aurez besoin, alors moi j'ai une pelote de laine comme celle-ci, que j'avais trouvée l'année dernière chez Action. Mais j'ai déjà dit à mon mari que cette année, s'il la refaisait celle-ci, je prendrais une à trois pelotes. Parce qu'en fait, je comptais me faire sept. Alors déjà, j'étais sûre de prendre une pelote. Je vous explique pourquoi. Parce qu'en fait, je voulais faire cette écharpe pour moi. Je l'ai commencé quand Lilou était en cours. Et Lilou m'a dit, oh maman, ton écharpe avec... Oh, c'est trop beau la couleur, le noir avec les effets... vous savez, le petit fil là qu'ils nous ont mis à l'intérieur. Je lui dis, bah ouais, c'est pour me faire une écharpe. Ah. Bon, bah, je crois que Lilou aura l'écharpe comme ça. Alors, il faut ça. Donc, c'est une pelote, voilà, comme ça, c'est la acrylique. Hein. En général, j'achète mes laines chez Action. Donc là, je l'ai en noir, je l'ai en grise, je l'ai dans deux teintes roses différentes. Et ça, c'est des pelotes que j'avais achetées l'année dernière. Donc, il faut surtout prendre des laines. Après, voilà, vous n'êtes pas obligé de les prendre chez Action. Mais il faut des laines qui se tricotent ou se crochettent en 9-10. Donc celle-ci se crochette ou se tricote en 10 et de l'acrylique, voilà. Voilà. Moi j'ai pris ça, alors j'avais payé quasiment 5 euros la pelote je crois. Enfin la pelote coûte quasiment 5 euros mais j'avais profité, vous savez, des semaines d'Action. Alors, pour la taille d'un enfant, si vous trouvez la même chez Action, pour un enfant il vous faudra une pelote mais pas la totalité de la pelote puisqu'il faudra que votre écharpe fasse environ 1m30. Voilà. Et pour un adulte, il vous faudra deux pelotes puisque l'écharpe faudrait qu'elle fasse 1m80. D'accord ? Donc, vous allez avoir besoin bah, forcément de la laine, d'un tricotin circulaire de 36 picots. Alors, si vous débutez, les picots, c'est ça. Hein, c'est ce qui va tenir notre laine, en fait, avec la petite encoche. Forcément, du crochet, d'une aiguille à laine et d'un ciseau et d'un mètre pour bien mesurer la taille que vous souhaitez. Voilà, vous pouvez faire un peu plus petit, vous pouvez faire plus grand, vous pouvez faire une immense, comme une... Ouais, c'est vous qui décidez, c'est les mesures approximatives. Alors, pour faire les chiens, vous vous doutez bien qu'on ne va pas prendre tous les picots. Il vous faudra 17 picots. On va travailler sur 17 picots seulement. Enfin, seulement, c'est déjà pas mal. Donc, on va commencer. Alors moi, j'ai pris modèle sur une vidéo. Je ne sais plus laquelle, mais j'ai pris modèle sur une vidéo. Donc, on fait notre nœud coulant. Alors, comment on fait notre nœud coulant? Alors, vous prenez votre fil, là. Enfin, votre laine. Vous la mettez le bord. Vous laissez... Moi, je laisse quand même toujours une bonne marge. Vous faites derrière, il faut que ça se croise. Vous voyez, là, ça fait une croix. Là. Là, vous tenez et là, ça fait une croix. Et par-dessus, voilà. Voilà ce que vous devez avoir dessus et ce que vous devez avoir dessous. La croix est ici. Votre fil qui est ici, vous allez l'attraper et vous allez le passer en dessous de la première boucle. Regardez, je prends mon fil. Je prends, hop, je l'attrape et voilà mon nœud coulant. Ensuite, vous allez venir l'accrocher sur le petit piton à l'extrémité. Hop, et on est parti. Donc, on va travailler sur 17 picots. Donc, vous faites un tour,
Alors, comme ça, un tour. Vous allez sur le picot d'à côté, donc ça fait 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous voyez, vous faites pour l'instant un tour. J'en étais à combien? Je ne sais plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 17. D'accord? On va baisser. Alors, vous serrez pas trop. Hein. On va baisser nos mailles. On baisse nos mailles en bas. Hop. Ça s'appelle des mailles également. C'est comme pour le crochet, le tricot. Ça s'appelle des mailles. On ne serre pas trop parce que sinon vous allez avoir du mal à passer, voire pas du tout, votre boucle du dessous. Vous allez voir. Donc là, je suis à mon 17e picot. Je refais le tour. Vous voyez, hop. Non, pas dans ce sens-là. Attendez, hop, je suis comme ça. Voilà. Vous voyez, je refais mon tour. Ça passe derrière. Vous voyez, je passe derrière, devant et hop. Vous voyez, je refais mon tour. Jusqu'au premier picot. Jusqu'à là, tout va bien. Je vais dérouler un peu ma bobine, mon reste de laine. Hop. Alors, c'est de la laine XL. Hein. C'est exactement la même, et sauf qu'il n'y a pas la couleur paillette à l'intérieur. Enfin, paillette. Vous m'avez compris. Et en fait, vous laissez vos doigts souples, votre poignet souple, vous venez. Et voyez, et là, on arrive au premier picot et je fais la même chose. Alors ensuite, vous prenez votre crochet, soit vous partez de là et vous mettez la boucle du dessous par-dessus. Mais moi, je pars toujours du dernier picot, donc le 17e, et je fais ma boucle du dessous passe par-dessus. Ma boucle du dessous passe par-dessus. Dessous, dessus. Dessous, dessus. Et là, vous voyez, ça laisse un... Et ben, hop, regardez quand vous prenez, et ben, ça vient se serrer un peu. Hop, dessous, dessus. Dessous, dessus. Et vous allez voir que tout le long de votre écharpe, vous allez avoir le même mouvement. Donc là, on fait un point endroit. Hop, et après, on va faire un autre point qui n'est pas du tout compliqué également. Et ça va s'appeler le point envers. Regardez. Donc là, on fait dessous, dessus. Là, vous ne touchez pas à vos mailles. Ils sont en haut du picot. Vous n'y touchez pas. Vous les laissez en haut. Voyez. Voilà. Hop. Ensuite... Je vais venir, vous voyez, mon fil, il est comme ça, derrière. Je vais venir le passer devant. Vous allez le tenir comme ça. Et vous allez passer votre crochet dans votre boucle du haut. Donc là, vous avez votre crochet dans la boucle du haut. Vous attrapez la laine et vous faites une boucle. À l'aide de vos doigts, vous défaites la maille qu'on a ici qui était en haut, vous la défaites et vous passez la boucle qu'on vient de créer et vous serrez. Pas trop fort. On recommence. Vous prenez votre crochet, votre boucle du haut. Voyez, vous prenez. Là, j'ai passé en fait l'encoche de mon le côté courbé de mon crochet. Je le mets dans l'encoche. Je tourne un peu mon crochet pour bien que ma boucle ne s'en aille pas. Vous pouvez faire une grande boucle si ça peut vous aider. Vous défaites la maille du haut et vous remettez votre boucle sur le picot et vous serrez. On recommence. Je prends mon crochet à la maille d'intérieur. Je défais et je remets ma boucle. Ça, c'est le point envers. Hop. Je passe, j'essaye de vous rapprocher, je passe, j'attrape, je tire, je fais et je serre. Alors, attendez, je vais me mettre debout pour essayer de vous expliquer. Je passe à l'intérieur, vous voyez, à l'intérieur.
J'attrape ma laine. Je tire, je fais ma boucle. Et hop, je passe ma boucle dans le picot et je tire. On recommence. Je vais faire l'aller-retour avec vous. Après, je vais faire une longueur et je ferai le montage et je viendrai vous faire montrer la fermeture. Donc, hop, votre laine. Vous passez. Après, vous n'êtes pas obligé de coller vraiment au picot. Hein. Mais il faut toujours, hop, voyez, la maille du haut. Je l'attrape. Je tourne mon crochet. Je fais ma boucle. Je défais ma maille qui est sur le picot. Et je serre. J'attrape. Je fais ma boucle. Et je serre. Et on travaille toujours avec le fil qui est sur la laine. Hop. Ça, mine de rien, ça prend du temps. Hop. Surtout si vous êtes comme moi à faire 50 000 choses à la fois, 50 000 activités à la fois. Voilà. Regardez. J'attrape. Si tu tiens pas ta laine, ça va pas aller. Il faut la tenir un minimum. Je l'attrape. Je forme ma boucle. Hop. Je défais. Et hop. Et les par contre, hop, ça, vous pouvez le baisser. Puisque de toute façon, ça vous fera gagner du temps. Vous pouvez baisser au fur et à mesure que vous avez fait votre maille. Donc là, quand on a fait le point endroit, on a fait un rang. Là, on est en train de faire le deuxième rang. Hop. Voilà. Hop. Alors, en tuto, je vous ai déjà fait le snood. L'écharpe avec le tricotin rectangulaire et on travaille le point 8. Je vous ai fait des mitaines et là, je vous fais l'écharpe avec un tricotin circulaire. Les tricotins, vous pouvez... Alors moi, je les avais trouvés, mais circulaires, je les avais trouvés. Enfin, j'ai les circulaires, j'ai les rectangulaires. Il y en a un que j'avais trouvé sur Marketplace et l'autre que j'ai trouvé sur Vinted. Ils étaient pendant un moment chez Action. Je ne sais pas s'ils en remettront. J'aimerais bien parce que faudrait que je m'en rachète. Et sinon, je les chercherai d'occasion. Après, vous les trouvez sur AliExpress, Amazon. Enfin, voilà, vous tapez tricotin, circulaire, rectangulaire. Et vous trouverez votre bonheur. La couleur n'a rien à voir. Voilà, vous allez avoir dans votre lot 4 ou 5 tricotins de chaque. Rectangulaire ou circulaire, selon ce que vous prenez. Donc là, vous avez fini, vous avez fait vos 17 picots. Vous baissez tous vos mailles et vous reprenez votre laine que vous passez comme ça. Vous voyez, hop, et on refait notre point endroit. On refait notre point endroit. Là, on retravaille pour faire notre point endroit. Donc vous allez faire ceci jusqu'au premier picot. Donc là, on est en train de faire le troisième rang. Je tiens ma laine et moi, je repars au 17e picot. Ne me demandez pas pourquoi, c'est comme ça. Et je passe le dessous par-dessus. Dessous, dessus. Dessous, dessus. Vous voyez que ma laine n'est pas serrée. Je passe facilement sur mes picots. Mais ça, ça vient avec le temps, j'ai envie de vous dire, puisque je serrais au début comme une cinglée. Je serrais tellement, mes mailles étaient tellement serrées sur mes picots que je n'arrivais pas à passer ma boucle du dessous par-dessus. C'est pour ça que je vous dis de ne pas trop serrer. Il faut que votre maille passe sans forcer par-dessus votre picot. Si ça force un peu, ça veut dire que vous avez un peu trop serré et qu'il faut que vous laissez un peu plus de lest à votre poignet. Mais ça, ça vient avec le temps, c'est comme tout. Hop, vous voyez, et là j'ai ma maille qui s'est défait, mais ça c'est pas très grave, et hop, et voilà, vous voyez, et je reprends pour faire mon quatrième rang, et là je fais mon point
envers, dessous, j'attrape ma maille. Et là, je crois que j'ai trop serré. Fallait que je... Ouah, ça va, je peux desserrer, au fait, je suis au bout de mon fil. Ah non, pas comme ça! Fallait pas que tu te défasses. Heureusement que j'ai pas tiré sec. Ah bah, ça a défait carrément ma maille. D'accord. Allez, bah comme ça me la fera refaire sans la serrer. Voilà, je passe mon fil, voyez, entre devant. Je passe dans la boucle. Je tire ma laine. Je défais de mon picot. Et là, voilà, c'est ce qu'il ne faut pas que ça fasse. Là, je vous montre tout, hein. Voyez, hop. Tiens. Vous pouvez tenir votre laine comme ça. Après, vous allez trouver à vous votre manière à vous le plus pratique, la façon la plus pratique pour vous de venir tenir votre tricotin. Vous allez trouver le truc le plus facile pour vous. Moi, ça, je peux aussi bien le faire à table que dans le canapé, que dans la voiture. En général, je le tiens entre mes jambes. Voilà. Vous voyez, je tire ma boucle, je défais mon picot. Non, je défais ma maille, pas mon picot. Et je serre. Voilà. Si vous avez une laine plus fine, rien ne vous empêche de doubler. En fait, au lieu d'avoir un fil comme moi j'ai, vous allez, là par exemple, là j'ai un fil. Moi, je vais vous montrer comme ça. Là j'ai un, deux. Vous voyez, j'ai deux, ma maille et deux pour faire ma deuxième maille. Voyez, pour faire la boucle qui va passer au-dessus. Si vous doublez votre laine, en fait, là, vous aurez deux fils, donc ça vous fera quatre. Mais c'est pas grave, vous attrapez, vous passez votre crochet dans les deux bouts de laine du dessus. Vous attrapez les deux qui sont en dessous, parce que ça ne change rien. Vous faites votre boucle, comme si vous avez qu'un morceau. Vous défaites les deux laines que vous avez sur votre picot. C'est exactement la même chose. Vous pouvez la doubler, la tripler. Bon, après, il ne faut pas trop forcer non plus, hein, parce qu'il vous faut de l'espace entre les deux, les morceaux quand même, pour pouvoir attraper et faire ce que vous avez à faire. Vous voyez? Donc, je fais là ce rang envers. Ah, bah non, je peux baisser. Je fais ce rang, je vais jusqu'au 17e picot avec vous. Je le fais et vous verrez. Je vais continuer moi après de mon côté, histoire d'avoir une petite longueur et de faire la fermeture de cette écharpe avec vous. Alors moi, je vous l'ai dit, hein, ça ne fera pas une écharpe, c'est vraiment pour vous montrer ce qu'il faut faire, puisque après tout le long de l'écharpe, le mouvement reste le même et la fermeture, vous allez voir, elle n'est pas du tout compliquée. Il faut que je fasse une longueur, parce que sinon ça sert à rien, vous allez rien voir. Voilà, donc j'attrape, je passe dessous, je fais, j'attrape, je fais ma boucle, je défais ma maille et je resserre ma maille. Vous voyez, en fait, les mailles, c'est vraiment que une histoire de boucle. Voilà. Ensuite, moi, je vous ai montré avec du noir. Vous faites le coloris que vous souhaitez, bien évidemment. Si vous doublez votre laine, vous pouvez prendre deux couleurs différentes. D'ailleurs, je crois que j'essaierai. Je pense, je ne sais pas. Hop. Ça va pas ce que j'ai fait, ça va pas. Voilà. Je défais et je mets. Je suis pas très bonne pour expliquer des tutos, je suis pas, mais j'apprends et si ça peut vous permettre aussi d'apprendre à vous de eh ben écoutez, c'est ça aussi le partage. Moi j'apprends, j'ai appris toute seule à l'aide de vidéos. On m'a pas appris le tricotin, on m'a pas appris le crochet, on m'a pas appris le tricot. Je me débrouille avec les vidéos. Donc si je trouve quelque chose que j'arrive à faire et que je peux vous apprendre, et enfin vous apprendre façon de parler, eh ben c'est avec grand et immense plaisir que je le fais. Voyez? Donc, vous allez faire ceci, le même mouvement, jusqu'à obtention de la taille que vous souhaitez. Je vous rappelle, environ 1,30 m pour un enfant
et 1,80 m pour un adulte. Et là, vous repassez, voyez, et là, vous repartez pour faire votre quatrième rang en maille en droit. Donc, moi, je vais continuer de faire ceci pour avoir une certaine longueur et je vous reprends plus tard. Mais pour vous, c'est tout de suite pour la fermeture de cette écharpe. Allez, à tout de suite! Me revoilà avec la suite. Alors, j'ai fait un petit peu, hein, vraiment dire, pour vous dire, vous montrer déjà la longueur, ce que ça va donner. Vous voyez, ça va être souple. C'est pour ça que je vous dis de ne pas serrer vos mailles à fond. Je n'ai pas décroché volontairement d'ici pour le faire avec vous. Donc ça, c'est le, vous savez, c'est le nœud coulant qu'on a fait en début pour venir que notre laine tienne. Donc voilà. Vous pouvez l'enlever. Alors moi je l'enlève là tout de suite parce que. Mais vous pouvez l'enlever au bout du. En général, j'enlève au bout du troisième, quatrième rang. J'attends vraiment d'avoir fait une avancée quand même pour pouvoir enlever ceci. Hop, vous, moi je défais. Vous voyez, quand vous tirez dessus, vous n'avez plus de nœud coulant. Je laisse comme ça pour le moment. Je m'en occupe plus. On va venir. Je vais vous montrer maintenant comment fermer votre projet. Donc là, en l'occurrence, votre écharpe. Une fois que vous avez la longueur que vous souhaitez. Parce que moi, voilà, je vous ai donné des tailles. Mais un enfant ne fait pas l'autre. Et un adulte ne fait pas l'autre niveau grandeur. Moi, je sais que personnellement, une taille, je pense qu'une taille écharpe enfant me suffirait. Et parce que 1,80 m, j'ai peur que ça fasse trop grand pour moi. Hein. Je fais 1,65 m les bras levés. Donc là, je vais vous montrer la fermeture. Donc vous, une fois que vous avez votre taille souhaitée, voilà, vous baissez tout. Vos mailles sur vos 17 picots. Voilà, vous les baissez tous. Ouais, je pense que j'ai un peu trop serré. Pourquoi je vous dis de ne pas serrer vos mailles? Alors déjà, premièrement, ça va bloquer. Et deuxièmement, c'est pareil, quand là, vous allez. Là, on va fermer notre projet. Quand vous allez fermer votre projet, c'est pareil, il ne faut pas trop serrer. Parce qu'en fait, sinon, pour avoir une largeur aussi. D'essayer d'avoir la même largeur que notre début en fait, que notre commencement. Si vous serrez trop, vous allez avoir votre fin d'écharpe qui va être réduite parce que bah, vous aurez trop serré vos mailles. Donc ça, c'est à force de faire que notre poignet devient plus souple. Donc vous voyez, il faut toujours par contre finir votre fil au premier picot, au niveau du premier picot. Donc votre fil doit être comme ceci. D'accord? Vous allez faire un tour au deuxième picot. Là, vous voyez, votre maille qui est en dessous, vous la passez par-dessus. Et moi, j'ai carrément le picot qui s'en va. Faut que j'ai dit à mon mari, il fallait qu'il colle, mais tant que j'ai pas fini ça, je pouvais pas. Donc, on passe notre boucle qu'on a, notre maille que l'on avait en dessous par-dessus. D'accord? Et moi, ça, c'est passé, baissé. Vous prenez votre maille que vous avez sur votre deuxième picot. Vous voyez? 1, 2. Vous prenez votre maille et vous la passez. Vous pouvez vous aider de vos doigts sur le premier picot. D'accord? Et on se retrouve avec deux mailles. Votre maille du dessous vient sur passer par-dessus. Jusqu'à là, on est bien. Là, on voit que le deuxième picot est vide. Et ben, la maille qui est sur le premier picot va venir sur le deuxième picot. Donc, on attrape notre maille. Vous pouvez tirer un peu votre fil. Hop. Et on vient mettre notre maille. D'accord? Je suis pas assez baissée, j'ai l'impression. Mais bon. On vient faire un tour. Et on vient faire que sur les deux picots. Vous voyez, on passe notre maille par-dessus. Vous voyez, et vous commencez toujours par celui-ci. Notre maille par-dessus. Vous baissez ce picot-là et celui que l'on a sur notre deuxième picot, la maille que l'on a sur notre deuxième picot, vient sur la maille, sur le picot, pardon, de
numéro 1, qui se trouve maintenant numéro 1. Et on fait pareil, la maille du dessous vient passer par-dessus notre picot. On reprend notre maille et on vient la mettre sur le picot qui se trouve maintenant être le deuxième. Voyez, hop. Et on refait la même chose. On tourne autour, on retourne autour. On repasse notre maille par-dessus. Hop. Je baisse la maille de mon picot numéro 1. Je viens prendre ma maille qui est sur mon deuxième picot pour la mettre sur le picot numéro 1 et je repasse ma maille du dessous par-dessus la boucle, la maille et le picot. Je prends ma maille ou ma boucle, comme vous voulez. Je viens la passer sur le picot d'à côté. Et je refais exactement la même chose jusqu'à la fin. Vous passez, la maille du dessous passe par la maille du dessus. La maille sur le picot numéro 2 vient sur le picot numéro 1. Et on repasse la maille sur le dessus. On reprend notre maille et on vient la mettre sur le picot. Voyez, sur le picot qui est vide en fait. Et on recommence. On fait, par contre, quand vous faites ceci, pour faire votre maille, vous passez toujours en premier votre maille de votre picot numéro 1, donc la maille du dessous, par-dessus. Vous pouvez le baisser d'office. Et vous faites pareil avec le deuxième picot. Et votre deuxième picot vient sur le premier. Enfin, la maille, pas le picot. Et on repasse par-dessus. Vous voyez, c'est vraiment une fin très simple. Donc je repasse. Non, je fais à l'envers, moi, ça va pas. Donc là, on fait. Vous voyez, c'est toujours le même mouvement. Hop, je baisse ma maille du numéro 1. Je viens mettre. Je serre un petit peu et hop. Vous voyez, c'est vraiment, vraiment simple et sympa à faire. J'ai vu que Action avait ressorti la laine acrylique comme celle-ci. Je vous montre. Mais moi, je suis attrapée parce que ma noire... l'écharpe noire que je suis en train de faire, le métallisé est de plusieurs couleurs. Et là, en tout cas, sur le site, le métallisé est d'une seule couleur, c'est-à-dire le gris comme ça. Donc j'ai dit à mon mari, bon bah maintenant que mon écharpe est commencée, je vais la faire pour une taille enfant. La prendra qui voudra la prendre parmi mes filles. Et moi, si je retrouve un gris comme ça, et ben je ferai mon écharpe en gris, ce qui fait qu'il me manquerait une pelote. Je ne vais pas m'enquiquiner, sinon après, bah voilà, je prendrai deux pelotes et puis c'est tout. Donc, je baisse mon picot numéro 1 et je viens, hop, mettre sur mon picot numéro 2 que je viens mettre sur mon picot numéro 1, la maille du dessous par-dessus. Je prends et je mets. Je fais mon tour sur mes deux picots, je passe par-dessus, je baisse comme ça, c'est fait. Hop, je repasse, je reprends ma maille, hop, par-dessus, et voilà. Vous allez voir que c'est vraiment très simple. Je vous invite à mettre, si je vais trop vite, ce que je ne pense pas, mais il n'est pas impossible, parce que quand on a pris... quand on sait, entre guillemets, faire les points en droit en vert, on a peut-être tendance à aller un peu vite pour les personnes qui veulent apprendre. Donc vous pouvez aller sur votre roue, vous savez, du réglage, et de mettre la vidéo au ralenti. Voyez. Et hop, on continue comme ça. Voilà. Hop, j'ai pas baissé. Et... alors, vous avez peut-être pu... Je vous invite également à vous servir de vos doigts
pour passer la maille d'un picot à un autre. Vous pouvez aussi également faire avec le crochet, il n'y a pas de souci, mais c'est peut-être plus facile pour vous de faire avec vos doigts. Moi, je sais que je préfère faire avec mes doigts et je resserre. Alors, pas trop, hein, on n'oublie pas, on ne serre pas trop, sinon la largeur de notre écharpe à la fin, on n'aura pas la même largeur que notre écharpe au début, surtout. On reste souple dans nos gestes, on reste souple de façon à mettre notre fil. N'hésitez pas à voir si vous avez des restes de pelote, par exemple, ou une pelote que vous vous fichez de perdre, à vous entraîner à faire le mouvement afin d'avoir votre poignet souple. Quand vous voyez que votre poignet est assez souple et que vous voyez que vous avez je sais pas comment, la même teneur pour faire vos boucles, la même souplesse pour faire vos boucles autour de vos picots, eh ben, vous pouvez défaire tout sans même faire la fermeture. C'est vraiment pour avoir le geste de la souplesse au début. Et vous savez que si vous ne faites pas de fermeture, vous pouvez récupérer votre laine. Parce que c'est comme ça que je me suis entraînée. J'ai pris une pelote. J'avais qu'une pelote ou deux sous la main. Mais je n'avais pas envie de gâcher ma pelote. Donc j'ai fait mes gestes sans fermeture. Comme ça, je pouvais démonter ce que j'avais essayé de faire. Vous voyez? Hop. Surtout, par contre, pour faire ceci, il vous faut une taille d'aiguille et ou crochet de 9-10. Pas moins. Plus, c'est possible, mais pas moins. Si vous prenez moins, et ben encore un picot à recoller. Mais ça, c'est pas grave. Et là, je me suis trompée, j'aurais dû faire l'inverse. Donc, ne faites pas la même. Si vous prenez moins, vous pouvez doubler votre laine. Voilà. Hop. Et on arrive à notre dernier picot. Et on refait la même chose. On tourne, on passe sur notre picot d'à côté. On passe dessous-dessus. Vous avez vu, j'ai toujours fait le même geste. Hop. Voilà. Et je viens juste faire un tour. Vous voyez? Là, j'ai fait mes deux picots. Je suis passée mon picot, ma maille de mon picot qui était ici sur le picot d'ici. J'ai passé ma maille du dessous par-dessus la boucle et le picot. Votre fil se trouve comme ceci. Vous faites un tour et vous repassez votre maille. Voyez par-dessus. Voilà. Vous coupez. Alors moi, je coupe une bonne longueur parce que. Voilà. J'ai pas préparé mon aiguille à fil. Mon aiguille à laine. Mon aiguille à fil. Mon aiguille à laine. Moi, c'est des aiguilles comme ceci que j'avais eu chez Ziman. Il y avait tout un lot d'aiguilles avec plein de tailles différentes. Parce que mes aiguilles à laine en plastique ne me font pas long feu. Alors même si ça coûte pas cher, au bout d'un moment, bah ça revient cher à force d'en acheter, hein. Et vous défaites votre maille de votre picot. Moi personnellement, je viens y faire un petit nœud pour bien solidifier tout ça, pour être sûr. Hop. Que je vais venir mettre à ras. Voyez, donc ça c'est avec mon fil de fermeture, mais je fais, ah ça peut me faire des carrés pour faire une couverture ça, vous voyez, je vous fais juste une démo comme ça, hein, parce que j'ai pas fait la longueur de l'écharpe, et ça me donne des idées, ouais, franchement, mais j'ai pas compté le nombre de rangs que j'ai fait, après 17 picots, pour un carré, voilà, ça me fait un rectangle, ça me fait plus un rectangle qu'un carré, mais je peux prendre moins de picots.
Si je veux des carrés plus petits. Mais il me faut une laine à tout prix comme celle-ci. Hop. Alors. Ah bah là, mon nœud était fait. Ok. Ensuite, bon là, par contre, je vais pas cacher tout ça. Et vous prenez votre aiguille à laine. Alors, attendez, parce que je suis pas très douée. J'enfile. Je me débrouille. Enfin, je galère pas trop à enfiler mon fil sur mes aiguilles. Mais alors, enfiler la laine, c'est autre chose. Voilà. Et vous venez cacher votre laine dans vos mailles. Hop. Dans ma laine. Hop. Voyez. Et je cache. Et je cache. Et je cache. Hop. Je cache. Encore et encore. Hop, j'ai plus envie. Alors là, je vais pas passer mon temps à cacher, mais voyez ce que je veux dire, vous cachez votre laine. Et si vous, comme moi, vous avez plus envie, on coupe. Ou des fois, je fais juste le nœud et je m'embête pas. Je coupe le plus à ras possible, voyez. Donc là, j'ai fait. Je vous ai montré comment on débute notre écharpe. Donc ici, c'est le début. Vous faites la longueur que vous souhaitez. Je sais plus. C'est 1,80 m environ pour un adulte. Voilà. Donc ça équivaut à deux pelotes. Deux pelotes comme celle-ci, qui font environ 425 grammes. Donc vous faites 212,5 mètres. Ça vous fait déjà un bon truc. Et pour un enfant, il ne vous faudra pas la pelote entière, mais vous faites environ 1,30 m. Il faut savoir que d'un projet à l'autre, la laine est, entre guillemets, on use un peu plus de laine selon les projets. Eh bien, écoutez, j'espère que cette petite vidéo tuto vous aura plu et que cela pourra vous servir. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!